Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 21 février 2020, cet épisode, le numéro 1767, s'intitule Blanc comme neige, épisode 4 sur 4, la neige. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Aujourd'hui, quatrième et dernier épisode de la mini-série hivernale Blanc comme neige. Dans cette mini-série, chacun des quatre épisodes parle de la neige. L'épisode d'aujourd'hui a été écrit en février 2018, au tout début d'un épisode neigeux assez important en région parisienne. C'est parti, la neige. « Maman, t'as vu ? Il neige !» a dit Michaela hier midi en rentrant à la maison, les joues rosies par le froid. « Mais oui, bien sûr que j'ai vu. Je me suis dit que peut-être tu étais tellement concentrée sur ton travail que tu n'aurais peut-être pas vu la neige. » Michaela s'est calmée 5 minutes, le temps d'enlever son manteau et ses chaussures avant de reprendre de plus belle. « Mais quand même, c'est trop bien. Ah, je suis tellement contente. J'espère que la neige ne va pas fondre tout de suite et qu'on va pouvoir faire des boules de neige. Tu te souviens de la fois où on avait fait un bonhomme de neige en bas de l'immeuble avec papa ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre. « Tu crois qu'il neige aussi au bureau de papa ? Je vais lui envoyer une photo. » En fait, Michaela n'avait pas totalement tort. Je n'avais pas vu la neige tout de suite. Quand je suis assise à mon bureau, je tourne le dos à la fenêtre. Et c'est vrai que j'étais concentrée sur mon travail. À 15h45, quand je suis allée chercher Félicia et Lisa à l'école, Lisa s'est précipitée vers moi dès qu'elle m'a vue. « Maman, tu as vu la neige ? On a eu 5 minutes de récréation en plus pour jouer avec la neige. C'était trop bien !» Et la maîtresse est venue nous chercher avec son café et des flocons sont tombés dans son café. « Ah, c'était trop drôle !» En fin d'après-midi, il ne neigeait plus. Mais la neige a recommencé à tomber alors que j'étais au kung-fu. La salle donne sur le stade. C'était beau, la neige qui tombait dans la nuit sur la piste d'athlétisme. One thing in a French day. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes vendredi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.